Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour une vidéo Once Human. J'étais sur la route, là, et je vois qu'il y a non seulement un puzzle avec un épouvantail et en plus un déviant qui nous attend. Alors on va essayer de l'attraper tout de suite. C'est le déviant porte, on dirait, oui. Et je l'ai! Je suis juste ici, la ville la plus proche c'est Greywater qui est là, et je me trouve, je zoome au maximum, juste ici. J'ai fait d'autres puzzles similaires avec des épouvantails, n'hésitez pas à regarder dans la playlist de mes vidéos Once Human si jamais vous voulez voir où ils sont. Sans plus tarder, c'est parti, on va parler avec l'épouvantail. L'un de ces trois journaux d'expérimentation est vrai. Enquêtez. Les portes s'illuminent, alors attendez, est-ce que... Franchissez la porte noire et vous devrez faire face au danger. Entre la porte noire et la porte jaune, une seule est sûre. Vous serez en sécurité en franchissant les portes blanches et rouges. Du coup, est-ce que ça veut dire que la première phrase est fausse? Parce que regardez, là on nous dit la porte noire nous fait face au danger. Mais si ça se trouve, c'est faux. Ensuite, on nous dit qu'entre la noire et la jaune, il y en a une seule de sûre. Celle-là est peut-être la vraie, mais du coup c'est peut-être la noire, ou c'est sûr. Et celle-ci, vous serez en sécurité en franchissant les portes blanches et rouges. C'est impossible de franchir les deux portes, il faut en choisir une, on est d'accord. Donc celle-là, c'est faux, donc je dirais que blanc et rouge, c'est pas les portes qu'il faut passer. Donc je me demande si c'est pas la porte noire en vrai qu'il faut passer, on va tenter. Oh, c'est bien ça, oh mon dieu, yes. Ouh. Ok, qu'y a-t-il dans le coffre? C'est parti. Bizarre réflexe. Et voilà! Qu'avez-vous pensé de ce puzzle? J'ai adoré la devinette. J'aime beaucoup les devinettes comme ça par déduction. J'espère en trouver plus dans le jeu. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et de la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous!